Alors, sixième limite, nous avons la limite quand x tend vers a, x divisé par cette expression qui contient des valeurs entières. Alors, je rappelle que l'expression de la valeur absolue, c'est valeur absolue de a, elle est égale à a, c'est a est positif, et moins a, c'est a est négatif. Donc, ceci, x plus a, change du signe au moins a, ceci en a, et ceci en 2a. Et moi, je m'intéresse seulement à la limite quand x tend vers a. D'abord, je dois classer les réels moins a et 2a. Alors, c'est bien clair que je dois distinguer deux cas. C'est a est strictement positif. Nous avons au moins a, strictement inférieur à a et strictement inférieur à 2a. Alors, je m'intéresse à cette expression lorsque x tend vers a. C'est-à-dire, je m'intéresse seulement, je vais prendre les intervalles moins a jusqu'à a et 2a. Voilà. C'est tout ce qui m'intéresse. Voilà, là, j'ai a. Voilà, moins a. Ici, 2a. Et je vais exprimer ces expressions x moins a, x plus a, x moins a, x moins 2a, et finalement l'expression, les dénominateurs de la fraction. Alors, sur l'intervalle moins a, cette expression à l'intérieur est positive. Donc, j'ai la valeur absolue est égale à l'expression. X moins a. Ici, il est négatif parce que x est inférieur à a. Donc, c'est moins a. C'est moins x plus a. Et ici, c'est positif, donc x moins a. Pour x moins 2a, c'est toujours négatif dans les deux intervalles. C'est moins x plus 2a et moins x plus 2a ici. Alors, nous allons faire la soustraction, la somme puis la soustraction. Donc, on obtient sur cet intervalle cx et sur cet intervalle, c'est 3x moins 2a. Donc, pour cette expression, je dois calculer la limite à gauche et à droite. La limite quand x tend vers 1 plus de x sur valeur absolue de x plus a plus valeur absolue de x moins a moins x moins 2a. Alors, ceci, c'est la limite quand x tend vers a de x divisé par 3x moins 2a. Alors, par substitution, ça donne a sur a, donc est égal à 1. Alors, la limite quand x tend vers 1 moins. La même expression. Donc, c'est moins x moins 2a. Alors, ceci va vous donner, c'est la limite quand x tend vers 1 moins, x divisé par x qui va donner 1. La limite à gauche est égale à la limite à droite, donc la limite de notre expression c'est a, c'est 1. Donc ceci est égal à 1. Donc reste à discuter le deuxième cas lorsque a est strictement négatif. Alors dans ce cas, nous avons 2a strictement inférieur à a qui est strictement inférieur à moins a. Et donc, je vais m'intéresser aux expressions sur les intervalles 2a, a jusqu'à moins a. De valeur absolue de x plus a, valeur absolue de x moins a, et valeur absolue de x moins 2a, et finalement,
La somme, valeur absolue de x moins a, plus valeur absolue de x moins a, plus moins x, valeur absolue, moins valeur absolue de x moins 2a. Alors, x moins x plus a, dans cet intervalle, il est négatif. Donc, x plus a, est négatif. Donc, la valeur absolue, c'est l'opposé de ce réel. C'est moins x moins a, moins x moins a. Pour la valeur absolue de x moins a, x moins a, il est négatif sur cet intervalle, donc c'est moins x plus a. Et sur cet intervalle, il est positif, donc c'est x moins a. Pour x moins 2a, il est positif sur les deux intervalles, donc j'obtiens ici x moins 2a, x moins 2a. Donc, sur cet intervalle, cette expression c'est moins 3x plus 2a, et sur cet intervalle c'est moins x. Alors, cette fois, la limite quand x tend vers 1 plus de x sur valeur absolue de x moins a, x plus a, valeur absolue de x moins a, moins valeur absolue de x moins 2a, x tend vers a plus, alors là, j'ai x sur moins x qui va donner moins 1. J'ai simplifié et j'obtiens moins 1. Alors la limite quand x tend vers 1 moins. Moins x moins 2a. Alors je vais remplacer par x. Voilà, ici x et ceci. Je vais remplacer cette expression par moins 3x plus 2a. Alors, substitution, ça donne a sur moins a, qui est égal à moins 1. Dans ce cas aussi, j'ai la limite à gauche est égale à la limite à droite. Donc, la limite quand x tend vers a de cette expression, c'est moins 1. Et voilà la conclusion. La limite, c'est moins 1. Alors, l'avant-dernière limite. On pose la limite, c'est la limite de x moins a sur radical de x plus radical de x plus a moins 1 plus 2a, racine de 2a. Alors pour une bonne compréhension, j'ai posé le dénominateur, c'est cette expression. Alors essayons de calculer ceci par substitution. Alors le numérateur, c'est 0. Alors, si je remplace x par 1, alors j'obtiens c'est racine de a plus racine de 2a moins 1 plus 2a fois racine de a. J'obtiens racine de a facteur de 1 plus racine de 2 moins, voilà, moins 1 moins 2a, qui va vous donner racine de a facteur de racine de 2 moins 2a. Alors, pour que la substitution marche, il faut que ce terme soit non nul. Alors, je vais chercher à quelles conditions il est non nul. Alors, t de a est égal à 0, si seulement si racine de 2 moins 2a égale à 0, ceci va vous donner a est égal à 1 sur racine de 2 qui est égal racine de 2 sur 2. Alors, dans le cas, si a est différent de cette valeur, alors notre limite, c'est la limite de 0. C'est 0 parce que le dénominateur, j'ai trouvé que 0. Alors, si on pose la limite, c'est L. Posons cette limite, c'est L. Alors, dans ce cas, L est égal par 0 sur dA. dA, il est non nul. Voilà. Dans ce cas, il est non nul. Donc, il est égal à 0. Notre limite, c'est 0. Maintenant, on s'intéresse au cas où le dénominateur est nul. Donc, impossible d'appliquer la méthode de substitution. Alors, donc, on va chercher une factorisation pour simplifier par x moins a ou bien un facteur. Un autre facteur pour enlever l'indétermination 0 sur 0. Alors le dénominateur t de x égale
A. Cette fois, on va remplacer A par 1 sur racine de 2 ou bien racine de 2 sur 2. Donc j'ai racine carrée de x plus racine carrée de x plus racine de 2 sur 2 moins 1 plus 2 fois racine de 2 sur 2, ça donne racine de 2 facteur de 2 sur racine de 2, c'est racine de 2 moins x. Alors, je vais écrire ces racines carrées de x plus racine de x plus racine de 2 sur 2. Je vais développer ici, c'est moins racine de 2 moins x moins racine de 2 fois racine de 2 moins x. Alors, comme dans la quatrième limite, je pense, non, la cinquième limite, je vais regrouper convenablement les termes pour multiplier par le conjugué. Alors, si je remplace x par 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2, alors ceci va me donner 1 sur racine de 2. Voilà, racine de 1 sur racine de 2. Alors, si je remplace ici par 1 sur racine de 2, alors racine de 2 moins 1 sur racine de 2, c'est 2 moins 1, c'est racine de 2. Donc la racine, ça donne celui-là. Donc ceci, si je remplace par 1 sur racine de 2, ça donne la même valeur. Donc je vais regrouper ici 2. Alors pour les deux autres, inutile de vérifier. C'est-à-dire si je remplace par 1 sur racine de 2, vont donner la même valeur. Car j'ai pour cette expression, pour x est égal à racine de 2 sur 2, ça donne 0. Donc là, c'est racine de 2 moins x. Voilà. Et donc, je vais multiplier le conjugué, mais seulement pour chacun des deux. Alors, multiplier par le conjugué, ceci va vous donner x moins racine de 2 sur racine de 2 moins x divisé par racine de x plus racine de 2 moins x. Alors le conjugué pour cette expression, ça donne x plus racine de 2 sur 2 moins 2 fois facteur de racine de 2 moins x. Le tout divisé par x plus racine de 2 sur 2 plus racine de 2 facteur de racine de 2 moins x. Alors ceci va vous donner c'est 2x moins racine de 2 divisé par racine carrée de x plus racine carrée de racine de 2 moins x plus cette expression. Ceci va vous donner 3x. Ici, ça va donner moins 3 racine de 2 moins 2 racine de 2. C'est moins 3 racine de 2 sur 2. Le tout divisé par x plus racine de 2 sur 2 plus racine de 2 facteur de racine de 2 moins x. Là, je vais factoriser par 2. Facteur de x moins racine de 2 sur 2 divisé par celui-là. Et je vois tout de suite, voilà, j'ai un facteur en commun. X moins racine de 2 sur 2 au dénominateur. Alors nous avons factorisé le dénominateur par x moins racine de 2 sur 2. Et déjà j'ai au numérateur x moins a, c'est-à-dire x moins racine de 2 sur 2. On simplifie, on obtient 1 sur cette expression. Alors par substitution, notre limite c'est, vous trouvez ces 2 racines de 2 sur 2 racines de 2 plus 3. Donc nous avons deux cas, un cas où il est égal à 0 et l'autre cas c'est cette expression. Passons à la dernière question.
ou bien la dernière limite. Nous avons aussi limite en 1 de x moins 1 sur cette expression qui contient des valeurs absolues. Alors le problème des valeurs absolues, c'est qu'il change de signe. Et plus exactement, il change de signe lorsque nous avons un point, une expression qui s'annule et change de signe. Voilà, donc il change d'expression. Donc elle dit, il change de signe en alpha, elle dit, il change de signe moins alpha, elle dit, il change de signe en 2 alpha. Donc par conséquent, il change, chacune des expressions change d'expression en 6 points. Et nous avons cette somme qui change d'expression en sur des intervalles donnés. Alors le problème, est-ce que 1 coïncide avec ce point ou bien est-il à l'intérieur? Alors, premièrement, il faut classer les nombres ou bien les réels ou ces expressions s'annulent. Donc ces expressions s'annulent en moins alpha et alpha 2 alpha. Il faut d'abord les classer. Pour les classer, il faut avoir le signe de alpha. Et d'où on va commencer par distinguer le cas alpha positif ou alpha négatif. Alors on va utiliser le cas alpha strictement né positif. Alors sur ces intervalles, on obtient le x est égal à ces expressions en utilisant la définition de la valeur absolue. Par exemple ici, sur cet intervalle, j'ai x moins alpha positif, négatif, x plus alpha négatif, x moins 2 alpha négatif, je remplace par leurs opposés et j'effectue la somme, j'obtiens cette expression. De même pour les autres expressions. Alors, l'écart que doit discuter encore, c'est est-ce que 1 coïncide avec ces points ou bien est-ce qu'il est à l'intérieur de ces intervalles? Alors, s'il est à l'intérieur de l'intervalle, c'est-à-dire distinct de ces points, on va prendre cette E de x et cette expression, ou bien celle-ci, ou bien celle-là. Ça dépend où, sur quel intervalle il se trouve. Mais s'il coïncide avec l'un de ces points, alors on est obligé de faire la limite à gauche et la limite à droite. Donc, il faut discuter les cases suivantes. Alors, là, c'est impossible d'avoir 1 sur cet intervalle, car ici, moi, alpha est strictement négatif. Donc, on peut avoir 1 ici, 1 ici, 1 ici, ou bien coïncide avec alpha, ou bien 2 alpha. C'est-à-dire, on peut avoir 1 strictement inférieur à alpha, ou alpha est égal à 1, ou 1 est compris entre alpha et 2 alpha. Et finalement, 2 alpha strictement supérieur, inférieur à 1 ou 2 alpha est égal à 1 du. Donc il faut distinguer ces cas. Alors commençons par les plus petites valeurs de alpha. Donc là, ce cas-là, alpha strictement inférieur à 1 demi. C'est-à-dire donc 2 alpha strictement inférieur à 1. C'est-à-dire 1 se trouve sur cet intervalle. Donc pour le calcul de la limite, je vais remplacer cette expression par c x plus 2 alpha. Car, je vous rappelle, la définition de la suite, on s'intéresse lorsque x est très proche de 1. On s'intéresse au comportement de x lorsque x est très proche de 1. Donc, si on est très proche de 1, c'est-à-dire, je vais prendre cette expression. Alors, j'obtiens pour limite. Alors désignons L, notre limite. Voilà pour ne pas la répéter à chaque fois. L est égal à la limite quand x tend vers 1, x moins 1 sur x plus 2 alpha. Alors substitution. Alors ça, le numérateur dans 0, le dénominateur dans un réel non nul. 1 plus 2 alpha, donc c'est 0. Alors passons maintenant au cas où alpha coïncide avec un demi. Alors 2 alpha est égal à 1. Donc on est sur cet intervalle. Donc 2 alpha est égal à 1. Donc soit on est obligé d'étudier à gauche et à droite. Alors la limite quand x tend vers 1 plus de la même expression x moins 1 sur valeur absolue de x
plus valeur de x plus alpha moins x moins 2 alpha, j'obtiens, c'est la limite quand x tend vers 1 plus de x moins 1 sur x plus 2 alpha, qui va nous donner 0 sur 1 plus 2 alpha, qui est égal à 0. Et maintenant, la limite à gauche, x moins alpha sur x moins alpha plus x plus alpha moins x moins 2 alpha. Je rappelle que vous pouvez remplacer alpha par un demi. Alors ceci va vous donner la limite de cette expression. C'est x moins 1 sur 3x moins 2 alpha. 3x moins 2 alpha. Alors le numérateur, c'est 0. Le dénominateur, ça donne 3x moins 2 alpha. Est-ce que ce dénominateur est non nul? Oui, car 3x moins 2 alpha serait nul dans le cas, pardon, si je remplace par 1. Alors, ceci est nul si seulement si alpha est égal à 3,5. Or, alpha est différent de 3,5 car on est sous le cas alpha est égal à 1,5. Donc, ceci, par règle de substitution, c'est 0 car j'ai un dénominateur qui est non nul. Cas où alpha est compris entre 1,5 et 1. Alors, j'ai alpha 1 est compris entre alpha et 2 alpha, c'est-à-dire on est à l'intérieur de cet intervalle, c'est-à-dire je vais remplacer donc notre limite L, x tend vers 1, x moins 1 sur, donc on est à l'intérieur, donc on va prendre l'expression 3x moins 2 alpha, alors j'obtiens 0 sur 2 moins 2 alpha. Alors ce dénominateur il est non nul car il est nul si seulement si alpha est égal à 3,5, et ceci est impossible car j'ai alpha est strictement inférieur à 1, donc ceci égale à 0. Il nous reste le cas alpha est égal à 1, donc il coïncide avec ce point là. Donc, j'ai deux expressions à gauche et à droite. Donc, je vais calculer la limite à droite et à gauche. Donc, à droite, x moins 1 sur valeur absolue de x moins alpha plus x plus alpha moins x moins 2 alpha. Ceci va vous donner. Alors, l'expression de valeur absolue. Alors, c'est à droite, j'ai 3x moins 2 alpha, c'est-à-dire dans ce cas 3x moins 2, c'est la limite quand x tombe vers 1 plus 3x moins 2, et donc je peux utiliser la substitution parce que si je remplace x par 1 ça donne 1, donc c'est 0. La limite à gauche, x moins alpha sur valeur absolue de x moins alpha plus x plus alpha moins x moins 2 alpha est égal à la limite quand x tend vers 1 moins x moins 1. L'expression que j'ai ici, c'est x est égal à 0. Toujours 0. Donc notre limite, on a la limite à gauche est égale à la limite à droite, est égal à 0. Et donc, il nous reste le dernier cas, alpha strictement, voilà, strictement supérieur à alpha. Alors pour nous, strictement alpha, c'est-à-dire alpha, elle est dans cet intervalle là. Strictement 1 est à l'intérieur de cet intervalle, donc je prends e de x à part expression x. Donc la limite, notre limite, c'est la limite quand x tend vers 1 de x moins 1 sur x qui est égal à 0. Et voilà, on a terminé le cas alpha strictement positif. Conclusion.
Dans ce cas, on a toujours la limite quand x tend vers 1 de cette expression, c'est 0. Égal à 0. Maintenant, passons au deuxième cas. Alpha strictement négatif. Alors, le deuxième cas, alpha strictement négatif. Alors, j'ai ce classement, 2 alpha strictement inférieur, alpha strictement inférieur à moins alpha. Donc, les expressions possibles de E de x sont données par ces expressions. Alors, il faut placer 1. 1, impossible de le placer 1, car alpha est négatif, il n'est pas là. Donc, alpha soit ici, soit il coïncide avec alpha, moins alpha. Alors, soit nous avons 1 strictement inférieur à moins alpha, ou bien moins alpha est égal à 1, ou bien moins alpha strictement inférieur à 1. Donc, il faut étudier chacun des cas. Alors, le cas de la valeur la plus petite, c'est, non, j'ai oublié un cas ici, c'est 1 compris entre alpha, moins 1 compris entre 0 et moins alpha. 0 moins alpha, c'est ça, oui. Donc, alpha inférieur à moins 1, dans ce cas, j'obtiens 1. Là, j'ai oublié, donc c'est 0 ici. 1 compris entre 0. Voilà. Donc 1 est compris entre moins alpha et alpha. Voilà. Parce que alpha, il est négatif. Donc je prends cette expression. Donc L, c'est la limite quand x tend vers 1, x moins 1 sur moins x. Substitution, ça donne 0. Si alpha est égal à moins 1, coïncide avec moins 1. Donc, moins alpha est égal à 1, c'est-à-dire il change l'expression en 1. Donc la limite quand x tend vers 1 plus de l'expression x moins 1 sur valeur absolue. Alors alpha c'est moins 1, donc vous avez x plus 1 plus x moins 1 moins x plus 2 est égal à la limite quand x tend vers 1 plus. Alors sur cet intervalle à droite, c'est x plus 2 alpha, c'est x moins 2, qui va vous donner 0 par substitution. La limite à gauche, x moins 1 de la même expression, x plus 1 plus x moins 1 moins x plus 2 est égal à la limite quand x tend vers 1 moins, et alors j'ai x sur moins x est égal à moins 1. Donc, dans ce cas-là, la limite n'existe pas parce que la limite à gauche est différente de la limite à droite. Donc, on reste le cas moins alpha strictement, pardon, 1. C'est ça, voilà. Donc, on est dans le cas, le dernier cas, c'est ça, 1 inférieur ou bien moins alpha. Non, il nous reste le cas où j'ai, voilà, j'ai commencé alpha inférieur à moins 1, alpha est égal à moins 1, alpha supérieur à moins 1. C'est-à-dire, on est dans le cas où alpha est inférieur à moins 1. Oui, c'est-à-dire équivalent à alpha inférieur à moins 1. Alors, on a déjà discuté ce cas-là. Non, on n'a pas encore. Donc, je multiplie par moins 1, ça donne moins alpha inférieur à 1. C'est ça. Voilà. Donc, on est sur cet intervalle. C'est-à-dire, la limite, elle, est égale à la limite quand x tend vers 1. Je vais remplacer par x plus 2 alpha. Donc,
x moins 1 sur x plus 2 alpha. Alors, en numérateur, j'obtiens 1 plus 2 alpha. Est-ce que 1 plus 2 alpha? 1 plus 2 alpha, est-ce qu'il peut être nul? Oui, il peut être nul. Parce que alpha est strictement supérieur à moins 1. Donc là, il faut aussi distinguer deux cas. Alpha différent de moins 1 et alpha est égal à moins 1 demi. Ou bien alpha est égal différent de moins 1 demi. Alors si alpha, commençons par le cas le plus simple, alpha inférieur à moins 1 demi, là c'est une limite nulle. Si alpha est égal à moins 1 demi, attention là, j'obtiens zéro sur x moins 1 demi, moins 1, voilà. J'obtiens L est égal la limite tire la x moins 1 sur x moins 1 qui va vous donner cette fois 1. Voilà. Donc j'ai deux cas ici pour alpha supérieur à moins 1. Il nous reste le cas alpha égale à 0. Si alpha égale à 0, alors notre limite devient tout simplement ce qu'on x tend vers 1. Donc x moins 1, valeur absolue du x, plus valeur absolue du x, moins valeur absolue du x, qui est égal à x, la limite quand x tend vers 1, de x moins 1 sur valeur absolue du x. Alors je rappelle l'expression de valeur absolue du x sur 0 plus l'infini, c'est x, sur moins l'infini, 0, c'est moins x. Alors comme j'ai ici x tend vers 1, on est sur cet intervalle. Donc je vais remplacer la valeur absolue par x. Ceci va vous donner par substitution égale à 0.